Bonjour à tous, moi c'est Insurance Garnishuga, vous êtes sur Vlog Expert, donc aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo, la Saint-Valentin au Japon. Et donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je suis vraiment très très active et je poste régulièrement du contenu. Et donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors comment va se passer cette vidéo? Alors pour commencer, je veux dire en gros ce que c'est la Saint-Valentin au Japon, ensuite je vais parler de l'histoire et pour finir la signification des chocolats. Et maintenant je vais commencer avec le sujet, le premier sujet. Donc en fait au Japon les gens offrent différents types de chocolat en fonction du sexe de l'expéditeur et en fonction du statut social du destinataire. Maintenant je vais parler de l'histoire. Donc entre 1936 et 1960, au Japon a été introduit la Saint-Valentin par les chocolatiers. Donc en fait c'est une fête purement commerciale où les filles offrent des chocolats aux garçons. Les garçons qui ont pu recevoir des chocolats durant les jours de la Saint-Valentin ont l'occasion d'offrir un cadeau aux femmes le jour du White Day. Donc le White Day c'est le 14 mars, c'est un mois après la Saint-Valentin. Et donc durant cette fête, les femmes reçoivent soit du chocolat blanc, des bijoux ou de la lingerie blanche, parce que dans le nom White Day, il y a le mot white, et white ça veut dire blanc en anglais pour ceux qui seraient nuls en anglais. Je vais parler de la signification des chocolats. Le premier chocolat que nous allons parler, c'est le chocolat qui est donné aux hommes aimés. Donc ça peut être à votre mari, à votre future petite amie ou à votre petite amie. Les chocolats sont appelés honmei. C'est traduit en français, c'est le chocolat du favori et c'est considéré comme une marque d'amour. Ensuite, il y a le chocolat que la femme donne à des hommes de son entourage, par exemple un collègue de travail ou un supérieur hiérarchique. C'est appelé le chocolate guiri. C'est le chocolat de l'obligation. C'est considéré comme une marque de politesse et d'obligation sociale. Alors pour ce troisième type de chocolat, en fait c'est le chocolat que la femme va donner au garçon en qui elle a le moins d'estime pour eux. Souvent c'est un collègue de travail, souvent le moins populaire. Et donc ce chocolat s'appelle Chocolate Cho Giri. C'est le chocolat de l'ultra obligation. Ensuite, pour ce quatrième chocolat, nous avons le chocolat que les collégiens, collégiennes, lycéens, lycéennes s'offrent entre eux. Le chocolat Tomo, et c'est le chocolat qui signifie le chocolat de l'amitié, considéré comme une marque d'affection. Pour l'avant-dernier chocolat, nous avons le papa Choco. C'est un chocolat que les filles offrent à leur père. Ça peut aussi s'appeler Sewa. Choco, ça marque de la gratitude. Et pour ce dernier chocolat, c'est le chocolat qu'on va s'offrir pour à soi-même. Jimbum, je sais pas comment ça se prononce. Choco. Bon, alors là, c'est vraiment, vraiment le dernier chocolat. Je m'étais trompée. J'avais complètement oublié que ça existait. Il y a certains hommes qui offrent des chocolats aux filles pour la Saint-Valentin. Ça s'appelle juste Guyaku et c'est juste le chocolat inversé. Donc c'était tout ce qu'il y avait à dire pour cette fameuse Saint-Valentin au Japon. Il y a c'est sûr des trucs dans l'histoire que j'ai un peu genre zappé parce que c'est par rapport un peu aussi au White Day et je voulais parler de la Saint-Valentin. Enfin comment ça se passait pour vous montrer si c'était pareil ou différent qu'en France, et on peut voir que c'est quand même différent de la France parce que le jour de la Saint-Valentin c'est plus les filles qui offrent des chocolats aux garçons et c'est à différents niveaux comme je vous l'ai dit. Ça dépend de comment le garçon est pour la fille. C'est pour ça qu'il y a différents types de chocolat. Peut-être qu'il y a d'autres catégories, d'autres types, mais j'ai en faisant mes recherches sur Wikipédia, ils me mettaient que ces types là. Peut-être que si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires.
Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne en action, la cloche des notifications. Et donc vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, comme par exemple sur ma page Facebook ou sur mon compte Instagram, parce que je suis vraiment très très active et je poste régulièrement du contenu. Et donc sans plus tarder, je vous fais d'énormes bisous, des sucres arc-en-ciel, et donc on va se retrouver la semaine prochaine pour une critique. Et dans le titre, je peux vous dire qu'il y a, je crois, I love you. Et au moins I love you. Et donc je ne vous dis pas qu'est-ce que c'est, vous verrez bien de quoi je vais vous parler samedi prochain à midi. Bisous bisous.